Bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de mon road trip. Et comme vous avez pu le constater, j'ai déposé mes valises en pays Bamileke, plus précisément à Bangou, dans la région de l'Ouest Cameroun. J'ai découvert une maman qui fait dans les accessoires traditionnels et elle les confectionne elle-même. Bonjour maman. Bonjour ma fille, ça va, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites? Je fais dans la tradition, dans les trucs traditionnels, je fais dans les arts. Et il y a beaucoup des articles traditionnels que c'est moi-même qui fais. Par exemple, comme le chapeau, c'est même ce qui est sur ma tête, c'est moi-même qui est tricoté, même ce qui est accroché en l'air là. Maintenant, ici, on va faire une couleur unique, couleur noire. Il y a les chapeaux des chefs, les chapeaux traditionnels que les chefs portent pour faire la danse secrète. C'est moi-même qui décore mes choses. Je fais dans la décoration traditionnelle. Et je veux savoir, quelles sont les tenues qu'on ne peut pas porter? Quelles sont les tenues destinées aux grands notables, aux grands chefs? Si tu n'es pas notable, tu ne peux pas porter. Tu n'es pas l'enfant, tu n'es pas un prince, une princesse. C'est que ce sont tes grands-parents qui vont t'introduire dans ça pour que tu portes. On ne porte pas, parce qu'il y a certains yo qui portent et font les tatouages sur les habits pour faire l'élégance, c'est pas bien. En mi-chemin, ça te rattrape, puisque cette tenue n'est pas portée n'importe comment. Par exemple, comme la couleur rouge ici, c'est pas tout le monde qui porte. Il y a ceux qui sont faits uniquement pour cette tenue rouge. Les grandes têtes dans la notabilité. Les grandes têtes dans la notabilité portent la couleur rouge aussi. Quelqu'un qui le fasse pour nous, on ne peut pas directement le porter comme ça. Sauf si c'est un prince, une princesse, les enfants de la chevelure. Là, je vois des masques. Est-ce qu'elles ont une signification? En queue de cheval, ce sont les queues de cheval, mais les bouts de ça sont toujours faits en perle. Il y a le chapeau du chef qui est fait en curry, la canne du chef qui est fait en curry, avec les bracelets du chef. Qui est fait en courrier. On utilise ça pour quelles circonstances? Ce sont les premiers notables du village qui peuvent utiliser les choses en courrier avec le chef traditionnel. Et je vois des statuettes là, c'est juste la déco ou bien? C'est la décoration, ma mère. J'ai beaucoup honoré cette statuette comme ma grand-mère avait des mères que son joli soutien sur lui. J'ai acheté pour le faire, pour mettre sur ma grand-mère. Voilà, maman, quels sont les accessoires que des gens normaux peuvent aborder? Mon petit-fils, si tu as un bon saillon, tu peux choisir ton collier ici, tu portes ton saillon ou ton gant. Ça ne dérange pas. Mais en truc traditionnel, on ne porte pas ça n'importe comment. Soit ou ton grand-père te donne, ou soit tu es un prince dans la chiffrerie, puisque les tissus traditionnels sont faits pour les princes et les princesses, sans commentaire. Le reste des gens iront demander l'audience à leurs grands-parents pour porter cette tenue sur eux. Pour demander l'audience. L'audience. Ah, l'audience, ok. Pour que tu me portes, il faut que d'abord c'est ton grand-père qui prend pour mettre sur toi. D'accord. Et il y a un rite qu'on fait pour qu'on porte ça. Merci beaucoup, maman. Au cours de cet entretien, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'inconsciemment, nous aborons des tissus, des accessoires qui ne sont pas à la portée de tous. Mais il ne faut pas être triste. Il y a des colliers, des objets de déco magnifiques qu'on peut décorer, qu'on peut utiliser pour décorer notre maison, des accessoires comme des bracelets, comme ceux qui sont là, qu'on peut arborer. C'est pas magnifique. Ouf.
Ce fut un très bel échange et je crois que j'ai un petit creux. Je vais aller déguster à l'une des spécialités du coin, le rat. Je crois que j'ai trouvé un endroit. Voilà. Bonjour. Excusez-moi, j'ai envie de manger le rat. Vous en vendez? Pourquoi? Mais c'est fini déjà à 7h. Bon, ok, où est-ce que je peux trouver le rat? J'ai vraiment envie de manger ça. Ok, merci. C'est vraiment très compliqué de trouver le rat à 7h. En plus, nous sommes dimanche et à partir de 8h, c'est fini. J'espère que plus devant, je vais en trouver. J'ai pas espoir? Oui, j'ai espoir. Bonjour. J'espère que vous allez sauver ma vie. Bon, là, je suis en train de chercher le rat. Vous avez le rat. Ah, il a le rat. Ok, servez-moi alors. Un morceau. Hey, ça, c'est la tête. Je n'avais pas encore vu ça dans la marmite comme ça, là. Donnez-moi ça. On en parle, on met dans... Non, mettez dans un plat. Vous avez quoi comme complément? Non, je veux l'igname. C'est combien? S'il te plaît, je voudrais laver les mains. Ok, merci. Là, c'est bon. Je peux laver là. Il est vraiment en train de pleuvoir, il faut que je... C'est pas mal. Il est vraiment en train de pleuvoir. Là, je viens tout juste de finir de déguster mon délicieux plat au rat et à l'igname jaune. C'était succulent. J'ai eu du mal parce que les premiers voyageurs sont venus tout rafler, quoi. J'ai eu de la chance. Et je vous assure, ceux qui viennent à Bangou et vous ratez ça, ah non, vous avez raté quelque chose de magique. C'est... Bon, là, comme il pleut, je dois d'abord rentrer à la maison. On se dit à tout à l'heure. C'est grave là, je rentre à la maison. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Après la pluie d'hier, j'ai décidé de sortir avec mon parapluie. En ce moment, je me trouve dans un coin paradisiaque, un endroit féerique. Je me trouve dans l'un des plus beaux et grands sites touristiques d'Afrique centrale, le Tajidor Garden Center. Ah, j'ai trop hâte de faire la visite. Et en ce moment, il y a Papa Ngassa qui nous attend, le guide. Suivez-moi. Bonjour, Papa Ngassa. Bonjour, très bien. Enchanté. Bienvenue. Merci, Papa. Pour la visite, on commence par où? Nous allons commencer par le case Obi de Semnor. Les cases Obi. Au fait, les cases Obi voudraient signifier seulement que sur le site, on aura un village écologique. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, toutes les régions seront représentées. C'est-à-dire, s'il est vrai que le Cameroun, l'Afrique en miniature, Bangou serait effectivement le Cameroun en miniature. Exactement. On peut commencer? Oui, par le septentrion. Allons-y. Je viens d'utiliser les justes mots. Oui, exactement.
Oui, là j'apprends mieux. Une lagune, des poules d'eau et un pont, deux ponceaux. Des ponts en bois. Oui, des ponts en bois. Des petits ponts en bois. C'est case au but. Moscou. Présage de la présence effective d'un village écologique. Okay. S'il est vrai que l'Afrique, le Cameroun et l'Afrique en miniature, donc où sera le Cameroun en miniature. Alors qu'on ne sait pas le Grand Nord, le Septentrion. Alors je vous dis comme ça, ça va ma. On reprend. Mijabi. 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 Ce sont des cases en banco. Mais chez nous ici, nous avons utilisé du sable, du ciment et de la terre tamisée. Et pour le rendre les murs étanches, nous avons utilisé un produit qui s'appelle le sicalite. Et évidemment, les bâtisseurs viennent de l'extrême nord. Les bâtisseurs viennent de l'extrême nord avec leur expertise. Non? Mm-hmm. Wow. Il y a l'écho. Il y a l'écho. Oui, je vais expliquer un petit peu. Au nord, le toit est constamment ouvert. Au nord. Pourquoi? Parce que même si il vent à tout moment, les coups ne sont pas durs. Contrairement à ici, où il pleut des chiens et des chats. Oui, ces bâtisses nous serviront de sa disposition des objets d'art. Donc, ça veut dire que vous revenez, quand vous venez, vous repartez avec un souvenir de banque. Oui. Ça peut être une paire de. Une sandale. Oui. Ça peut être un foulard. Mm-hmm. Ça peut être une chichère comme la mienne. Oui, ou un bracelet. Un bracelet. Là. Yeah. Avec comme. On continue. Papa Ngassa, c'est très beau cet endroit. Oui, merci. C'est... C'est notre zone VIP. Ça se voit. Oui. Elle est composée d'une loge présidentielle qu'on voit en face là. Mm-hmm. Hein? D'une primature. Oui. Et de deux guest houses. Deux résidences pour les ministres, deux ministériels. D'accord. Comprenez. Et ici, nous avons prévu un barbecue. Magnifique. Un barbecue. Ça veut dire qu'on pêche son poisson. Le grill, là. Les poissons sont tout frais. Mais les poissons sont mûrs là. C'est magnifique. Merci. Donc, de ce pas, on va vers les bungalows. On va vers les bungalows. Oui, nous sommes comme ça en train de traverser un pont. Mm-hmm. Et c'est un pont qui relie plusieurs zones. La zone VIP, la zone bungalow, la zone de villa et la zone restaurant. Magnifique. Mais il est conçu par nous, bien sûr. Nous. Tout est local. Oui, tout est local. Papa Ngassa, je vois que vous êtes toujours en plein travaux. Oui, c'est vrai, ma fille. Et nous sommes en plein travaux, certes. Nous tendons vers la fin. Nous avons 2 mois pour rendre nos copies. Regardez, par exemple, là, sur les peintres. Mmh. On finit par la peinture. Vous comprenez, ça, c'est un travail de finition. D'accord. Un travail de débutant. Dans toute entreprise, on finit par la peinture. Les détails. Oui. On visitait les bungalows. Vous le dites à ma place. J'anticipe. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bon, Mlle Otavie, oui. On va comme ça visiter un bungalow. Il y en a comme ça une cinquantaine. Mmh. Mais nous n'allons pas passer tout le temps à visiter l'un après l'autre. Donc c'est le bungalow témoin. Oui, que nous allons visiter. Okay. Bon, puis c'est la porte s'ouvre qu'elle est d'une carte magnétique. Okay. Vous allez l'ouvrir. Technologie très avancée. Oui. Non, vous avez le poignet. Je fais comment? Je vais la monter ici. Voilà. Appuie. Là. Attends, dans un bungalow. Et un bungalow, ce n'est pas un mot français, c'est un anglicisme, qu'on peut dire aussi building. Building. Donc, oui, qu'on peut dire à une interview, pour dire un peu, tiens. Mm-hmm. Donc un bungalow, c'est juste une chambre, telle que vous la voyez là. Oui. N'est-ce pas? Ici. Le dressing. C'est le dressing. Vous venez? Ça, c'est votre dressing, avec emprunt. Non, venez voir ce que vous montre. Avec emprunt,
un coffret pour vos bijoux. Voilà un coffret, c'est un coffret pour les bijoux. On avance. Vers la salle d'eau. Nous allons comme ça vers la salle d'eau. Composée de quatre compartiments, pour ainsi dire. Il y a un pot et un bidet. Mm-hmm. Avec un chasse-eau qui est intelligent, l'eau, voilà. Exactement. Un pot et un bidet, un chasse-eau qui est intelligent. Donc on appuie là. Oui. On avance, Francis. Ça, c'est une baignoire. Là, c'est un lavabo avec un séchoir électrique. Si vous avez les mains ou les cheveux mouillés, c'est juste là que vous les séchez. Bon. On avance, on a un miroir. Un grand miroir. Oui. Surtout pour nous, les femmes, comme ça. Oui. Plus c'est grand, mieux c'est. C'est la colonne de la douche. Avec le rouge et le vert. N'est-ce pas? Rouge veut dire eau chaude. Le vert ou bleu, eau froide. Bon, on avance. Bon, voici le lit. La Gidor. Ça, c'est un grand lit qui repose sur deux socles. Oui. Deux sommiers, quoi. Oui, ça, c'est pour deux personnes. Mais si deux personnes veulent dormir de façon séparée, on va juste enlever le grand matelas, éloigner les sommiers. Il y avait deux matelas adaptés à chaque sommier. Oui. C'est fait en quelle matière? Oui, c'est du bois. C'est du bois camerounais. Local. Quels sont les matériaux que vous utilisez ici, que vous avez utilisés ici? Ici, on a utilisé surtout des... Les matériaux sont d'origine, sont pour la plupart camerounais. Exemple, il n'y a que les carreaux que nous avons commandés, qui viennent d'Espagne. Mais le reste, c'est fait par les camerounais. Et le tableau? Oui, le tableau représente un chasseur africain. Un chasseur africain. C'est l'œuvre d'un artiste? D'un artiste camerounais. C'est quoi son nom? Il a droit là, c'est un artiste peintre. Ok. Bon, on va maintenant aller vers le perron. Waouh! Et la lumière fut. Bon, moi j'ouvre le deuxième. Magnifique. Là, ça donne sur, oui, sur le jardin. Sur le perron. Oui, sur le perron. Sur le perron. Magnifique. Et là, ça donne sur le perron. Oui. Mais c'est du bien vitré. Oui. On s'ouvre que de l'intérieur. Ok. Donc, si on a l'extérieur, on ne peut pas entrer. Oui. Ah, je comprends. Donc, si on n'a pas cette carte, on ne peut pas entrer. Donc, quand vous entrez, vous refermez. Oui. On ne peut pas ouvrir. Là, on ne peut pas ouvrir ici. On ne peut pas ouvrir. Sécurité maximale. Il n'y a que vous seul pour ouvrir. Oui. De l'intérieur, c'est tout bien. D'accord. Il était enfermé déjà. Le décor est l'œuvre d'un paysagiste sud-africain. Mmh. D'où plusieurs variétés de fleurs. J'ai vu les roses, les sapins en saône. Bon, ces pierres blanches viennent de Figuil, du Nord Cameroun. Et c'est du marbre. C'est du marbre. Je tiens du marbre. Oui, du Cameroun. On va continuer. Oui. On va aller par ici. Un coin très agréable pour les amoureux. Mais bon. Si tu viens. Oui. Ça c'est t'as pas de. J'allais dire. Bonsoir. Du courage. On va aller par ici. Comme ça. Ça c'est quel arbre? Et ça c'est un arbre purement africain, purement camerounais. C'est quoi le nom? Vraiment, je ne peux pas vous donner le nom. Le fruit c'est en néondo. Hein? C'est un arbre sauvage, c'est un cerisier sauvage, voilà, un cerisier. Un cerisier sauvage. Il y en a d'autres comme ça, des arbres fruitiers par ici. Oui, il y en a. Il y a le fruit noir,
Par exemple, il y a un pionnier il y a des colatiers, le champ. Comme ça, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, tels que les safoutiers, les colatiers, les manguiers, même les goyaviers. Tout à l'heure, vous m'avez vu croquer une goyave. Oui. Ça veut dire un verger, quoi. Il y a tout ici. Donc on n'aura pas besoin de sortir pour aller acheter des fruits. On prend non, on tout prend ici. Dans lequel vous trouverez vos choux. Et vos choux, vos pots de piment et un peu d'aubergine. Si vous voulez faire votre repas à vous. Tout sera bio. Oui, tout sera bio ici. Ok, maintenant on va se diriger vers. Maintenant, on va traverser la route. On va vers le côté distraction. Et oh, restauration. Bah, c'est distraction et tout quoi. Distraire. Donc on va donc comme ça, vers la distraction et vers le toit. D'accord. Place à la distraction. Let's go. Merci Papa Ngassa pour l'accueil ô combien chaleureux. Merci ma fille. Et vous faites la part curiosité. J'espère que vous reviendrez par conviction. À l'ouverture. Sans faute, papa. Bon, merci. Merci beaucoup. Et je vous attends. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bon retour. Je vous assure, j'ai adoré la visite. Tajidor Garden Center est un cadre idéal pour les vacances en famille, les voyages d'affaires. Il a vraiment beaucoup à offrir. Et je vous assure, quand ce sera opérationnel, ce sera un cadre magique, féerique, où on passera de bons moments. Il y a tout pour se divertir. On a quoi envier à l'extérieur? Rien. À la prochaine, j'y serai pour l'ouverture. Vous avec moi.